Bienvenue à ce nouveau live de Mixed Deal. Au premier regard, donc bonjour à tout le monde qui est en train de regarder, bonjour à tout le monde qui va regarder un peu plus tard. Donc la neuvième émission. <laughs> donc oui, je me suis laissée tenter par Projet Elite. Effectivement, David, écoute, écoute, un jeu de figurines. Je pouvais pas, je pouvais pas passer mon tour, puis puis j'ai cédé. Là. Je l'ai vu en vente retail, puis je me suis dit pourquoi pas. Je me suis procurée hier et c'est ça. Euh, J'en parlais tantôt sur mon autre live parce que c'est parce que ça. Figurez-vous si vous ne saviez pas que tantôt, j'étais live il n'y a, euh, a même pas 20 minutes de ça euh, sur Twitch. On essayait le jeu Root, euh, en fait, euh, mais juste le tutoriel parce que c'est ça. Je voulais vous le montrer. Puis parce que j'ai une petite tradition j'ai commencé il y a. C'est ça, cet été, que des journées fériées, ben je joue à des jeux de société portés sur jeux vidéo avec vous. Fait qu'on a fait un petit tutoriel de la marquise de chat, juste pour voir un peu comment le jeu fonctionnait, tout ça. Euh, C'est sur Twitch et ça va être sur YouTube disponible demain. Euh... Puis, 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 c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça la faiblesse, Pascal. Effectivement. Euh, mais, mais, <laughs> euh, ben, c'est ça. Hein, le monde des jeux, oh, oh, c'est difficile de résister. Là. Vous le savez vous aussi, là, que c'est difficile de résister. Puis, honnêtement, je me suis laissée tenter. Et ce qui est vraiment drôle avec ça, fait qu'on va commencer parce que c'est ça mon projet, mon, mon projet, pas mon projet à moi. Là, mon mon jeu que je vais vous donner ma première impression. D'habitude, c'est après deux parties. Euh, puis d'habitude, c'est le temps que j'ai, tu sais, quand j'achète un jeu pour l'essayer pendant la fin de semaine. Puis euh, c'est ça, c'est à peu près deux parties. Puis après ça, je vous fais ma vidéo, puis je vous en parle. Euh, c'est juste que c'est ça, on a commencé à jouer, on a juste pas été capable d'arrêter. Puis, comme c'est un jeu qui est rapide à jouer, mais c'est un jeu qui est rapide à mourir aussi, ben, c'est ça, ça a pas pris trop de temps non plus. Fait qu'on a fait à peu près six parties aujourd'hui. Puis, je vous mens pas, là. Ça se peut que euh, je finisse le live là, puis que je repars jouer un une autre partie. <laughs> fait que, ah oh oui, tu toi, tu l'as acheté en Kickstarter. On me dit ça dans les commentaires. Nice. Moi, j'ai sauté cette chance-là, malheureusement. Je suis un peu triste. Mais en même temps, je suis très satisfaite du jeu de base que j'ai acheté version retail. Fait que, pour ça, je me dis Ah, ben c'est pas si pire d'avoir juste celui-là, tu sais d'habitude. Il y a certains jeux comme Zombie où je suis contente d'avoir la version Kickstarter parce que là, ça va vraiment tu sais, me rajouter plein de choses pour acheter de la difficulté dans le jeu. Projet Elite, on dirait que je ressens pas le besoin, en tout cas de suite, de rajouter de la difficulté dans le jeu. Je sais pas. Pour l'instant, pour l'instant, c'est ça. Euh, on a joué à deux pour l'instant. Euh, à Projet Elite. <laughs> et c'était vraiment, vraiment le fun. Donc moi et mon conjoint. Et euh, c'est ça, c'est super bien balancé. C'est sûr que j'ai hâte de l'essayer à plus que ça. Il joue jusqu'à 6. Et sans plus attendre, mais en fait, je vais vous partager mon écran parce que c'est parce que ça. J'aimerais bien que vous voyez Projet Elite. Fait que j'ai ouvert la page de, de Board Game Geek de ce jeu-là. Fait qu'on va aller voir ça. Fait que Projet Elite, c'est quoi Pour ceux qui le savent pas, c'est un projet de Cool Mini or Not. Mais ce jeu-là leur appartenait pas, vous comprenez, parce qu'en fait, un Unhot avant, là, là, là il leur appartient, mais avant, là, en 2016, ça a été produit, ce jeu-là. Puis Un euh, Unhot a fait voir, wow, c'est vraiment le fun. On va en faire un Kickstarter et on va créer, euh, c'est ça, notre propre version de projet Elite. Et voilà, c'est sorti euh, dans les magasins très très récemment. C'est sorti en Kickstarter il y a quelques semaines, mais je le guettais, puis je sais pas si c'est vraiment cette semaine qui a été en vente retail ou que j'ai skippé ça la semaine passée ou l'autre d'avant. Mais bref, il y en a des copies disponibles. J'ai pris la mienne à l'imaginaire. Fait que si jamais vous en cherchez, je sais que là-bas, il en restait. Eh, Garochez-vous, ça vaut la peine. Puis, euh, puis c'est ça. Puis en fait, c'est ça, Projet Elite, en fait, c'est un jeu qui se passe en temps réel. C'est ça qui est spécial avec ce jeu-là. Et c'est vraiment excitant. Fait que c'est un jeu de 1 à 6 personnes qui dure environ une heure. Et dans ce jeu-là, on incarne des personnages qui veulent essayer. De défendre un peu la carte. On va voir si je suis capable de vous trouver une belle image là, de, de tout ça. Fait que ça, ici, c'est notre lieu de départ de la carte. Et ce qu'on veut faire, c'est défendre la prix cette place-là, des aliens. Fait que si les aliens arrivent à se rendre à notre lieu de départ, on perd la partie. Fait que c'est un peu, un, un peu style, tu sais, Tower Defense dans ce sens-là. Et bien, ça se joue hyper rapidement parce que c'est en temps réel. Qu'est-ce qui est en temps réel? En fait, c'est pas tout le jeu au complet, là de as des phases assez relaxes. Euh, par exemple, au début du jeu du tour, ben là, tu vas révéler un événement. Et là, selon la difficulté à laquelle tu l'as seté, ça se peut que l'événement ne soit pas très, très gentil. Après ça, tu vas spawner des monstres qui vont spawner quelque part à l'autre bout de la carte quand même. Fait qu'ils ne se spawneront pas à côté de la zone où il faut que tu défendes. Il y a au moins ça. Et là, ben tu vas sélectionner. Tu sais, au début, tu as sélectionné une mission parce que tu as plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux décider, par exemple, d'aller détruire des cibles, tu peux décider de... En tout cas, tu as cinq missions dans le jeu de base et c'est ça. Fait que tu sélectionnes ce que tu veux faire. Et il ben, faut que tu accomplisses ta mission et que tu reviennes à cette entrée-là, en fait, avant de te faire euh, tuer par, euh, par les monstres ou euh, que les monstres y, arrivent là et que ben ça marche pas. C'est ça, tu as 8 tours pour le réaliser. La partie qui est en temps réel, c'est la partie que toi, tu vas jouer. Fait que quand les monstres sont setés euh, sur le plateau, tu as découvert l'événement, tout ça, là, on dit à tout le monde, OK, tout le monde est prêt. Euh, tout le monde est en moins mon chum pour l'instant. Et là, ben, on va lancer le jeu. Fait que tu pèses sur Start, ça sur l'application, ça sur ton petit timer, tu as 2 minutes où tu lances tes dés frénétiquement. Et là, tes dés vont te permettre d'avancer, vont te permettre d'aller faire des recherches, vont aussi te permettre d'interagir avec des objets, parce que tes objets ont besoin de certains dés pour les activer. Euh, par exemple, tes armes pour les recharger. Il faut que tu mettes certaines phases de dés spéciales. Euh, tu as d'autres objectifs en jeu, comme des petits tokens, comme on voit là, qu'il faut que tu ailles remplir avec tes dés à toi pour que ça marche. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que c'est ça c'est vraiment frénétique fait que tu brasses les dés, même tantôt là j'avais une crampe dans les paules pour vous dire là, à force de brasser mes dés sans arrêt là euh, c'est ce genre de jeu là puis pendant tout ce temps-là mais t'es vraiment sur le gros adrénaline là pour vrai tu te laisses prendre au jeu t'as pas chouette de toute façon t'as comme pas chouette de te laisser prendre dans le jeu même si tu dis ah oh, ouais moi c'est un jeu comme ça c'est correct on va jouer pour avoir le fun non 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 deux minutes, <laughs> deux minutes, c'est vraiment court. Puis là, tu veux faire plein de choses. Fait que c'est sûr que tu vas te mettre à lancer tes dés, à capoter, à faire ok, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. En plus, quand tu lances tes dés, ben certaines phases de dés qui vont faire déplacer les monstres. Les monstres suivent des flèches, donc c'est vraiment très programmé là, comment ils vont se déplacer pour s'en venir jusqu'à là. Fait que tu les fais avancer. Après ça, tu continues de brasser les dés. Bref, c'est intense, c'est vraiment le fun. La difficulté est là. Donc, même à jouer à facile, tu des chances de perdre. Euh, medium, c'est vraiment bien bien balancé. Là, je vous dirais, là, quand tu fait une coupe de partie à facile, medium, c'est une bonne difficulté. Difficile, je ne sais pas que je suis rendu là encore. Euh, mais mais c'est ça, un jour, ça va venir. Faites, bref, c'était ma découverte de, dans fin de semaine. Entre autres, j'ai découvert un autre jeu aussi, mais je vais vous en parler plus tard. Mais c'est ça, un autre jeu que j'ai joué plusieurs parties. Bref, j'ai été gâtée en fin de semaine. Vraiment des super beaux jeux. Mais... Lui, c'est lui que j'avais envie de vous en parler parce que c'est parce que ça. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. C'est un jeu de, de Cool Mini or not, donc euh, Simon. Donc on sait que les figurines vont être très très belles. Le jeu est bien produit, tout est de qualité. Euh, ils sont améliorés aussi dans le setup du jeu, mais c'est n'est pas la première fois. On le sait depuis, euh, depuis Death Medaille, depuis euh, Zombicide Invaders. Ils ont fait beaucoup d'efforts, je trouve, dans leur insert et dans Projet Elite aussi. Ce qui veut dire que tu n'as pas juste une géante boîte <laughs> dans le fond avec le plaques. De tes figurines dedans qui prend toute la place, Puis là, plus de place pour mettre tes tokens une fois que tu des punches chez le jeu, plus tout est compliqué. T'as la géante boîte, mais dans la géante boîte, t'as un insert où tout rentre. Fait que côté rangement, c'est impeccable. Donc, ça facilite aussi la sortie du jeu, l'installation, ça facilite le rangement. C'est sûr que c'est un jeu de figurines. Hein, fait que faut quand même allouer quelques minutes, mais pour vrai, tout se fait super bien. Et le 60 minutes, c'est vraiment 60 minutes parce que euh, ben c'est ça, there's only so much que tu peux faire pour faire spawner des monstres puis les activer. Là, fait que finalement euh, ça se passe super rapidement. Super bon comme jeu. Euh, Je pense même, si ça vous intéresse que cette semaine, on va filmer probablement une partie live, ou en tout cas on va filmer une partie, mettre ça sur YouTube que vous voyez comment ça se joue Projet Elite parce que ben c'est ça! Ça vaut la peine, puis anyway, ça risque d'être à ça que je joue pas mal toute la semaine. De toute façon, fait qu'on va juste mettre une coupe de caméra puis filmer ça puis comme ça à la maison vous allez pouvoir avoir une meilleure idée de comment ça joue. Donc on va passer aux nouveautés avec Mixil <laughs> pour cette semaine. Donc je regarde dans les commentaires en même temps, je lis. Euh... Donc, il faut aimer le random avec les dés, effectivement. <laughs> C'est quand même juste ça. La stratégie est quand même limitée car tout est contrôlé par le lancer des dés, effectivement. Quand on parle d'un jeu à meritrash, je vous sors une vidéo cette semaine d'ailleurs là-dessus où je comboue, euh, dans mon dans le courant de mon lexique ludique que j'ai commencé à faire sur ma podcast, que j'ai l'intention de faire également en vidéo. Je commence à vous parler des différents styles de jeux pour que ceux qui commencent dans le monde des jeux de société puissent avoir une meilleure idée de c'est quoi les différents styles, blablabla. Bla, bla, euh, en fait, là, quand on parle de placement d'ouvriers, quand on parle de engine builder, on veut dire quoi? Mais bref, pour commencer ma première vidéo que je vais vous faire de ça, de lexique ludique, ça va être de différents sites améritrash de euh, Eurogame. Et c'est vraiment <laughs> un Améritrache. Euh, assez intense. C'est basé sur l'idée, c'est très dramatique. Le but est vraiment c'est ça. C'est basé sur l'action, sur l'immersion. Le thème est bien porté. Pour vrai, euh, je lève mon chapeau à Simone, encore une super belle réalisation. On commençait à retomber en amour avec Zombicide parce que c'est un jeu qu'on a longtemps pas beaucoup aimé à cause de la difficulté du jeu parce qu'à un moment donné, on trouvait que c'était trop facile. Sauf que on a juste joué à la saison 1. Première édition du jeu. Fait faut nous laisser une chance. On n'avait même pas de boîte d'extension pour pimenter le tout, là. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, ça devient trop facile. Là, on a Invaders, Black Ops, Dark Side, euh, puis tout ça pour mixer ensemble, ce qui fait en sorte que là, c'est plus difficile. Puis bref, tantôt, on se disait, qu'est-ce qui est meilleur, Zomicide ou Projet Elite? On le sait pas. <laughs> Les deux sont vraiment bons. Mais euh, probablement que Z Projet Elite va avoir plus d'amour pour ceux qui aiment moins un peu Zomicide. C'est pas la même chose, fait que allez voir ça là pour vrai ça vaut la peine super bon faut que tu aies un bon cardio parce que c'est dur sur le cœur mais mais c'est ça et puis dans les commentaires je vois que oh, dans le fond vous avez vous avez joué jusqu'à 6 et il faut que le monde connaisse les règles car tu ne peux pas prendre le temps de valider ce que les, que les gens suivent les règles. Oui, effectivement, c'est un jeu qu'il faut que tu expliques super bien aux gens, que tu prennes le temps de t'assurer qu'ils comprennent parce qu'une fois que le 2 minutes est lancé, là, tu te soucies à peine de ce que fait l'autre personne à côté de toi. Tu es trop occupé à lancer tes dés, à déplacer des bonhommes, déplacer des monstres. Pour vrai, ça va vraiment vite. 2 minutes, là, c'est vraiment pas beaucoup pour faire ça. Fait qu'effectivement, il faut que tu apprennes le jeu assez rapidement. Mais ce qui est bien avec Projet Elite, c'est que les règles sont pas trop compliquées. Tu as quand même une vingtaine de pages de règles, mais c'est un jeu de Simon. Fait une vingtaine de pages de règles avec beaucoup d'images, beaucoup d'espace. C'est très digeste comme, comme livre de règles. Fait que pour expliquer, ça n'a pas été compliqué. Euh, on n'a pas eu beaucoup de questionnements de règles durant la partie non plus. Ça l'a bien été. Puis après, un premier tour, tout le monde se fait à l'idée. Euh... <laughs> oh, effectivement, euh, parce qu'encore une fois, je vois dans les commentaires qu'il y avait des tricheurs dans la partie qui profitaient du fait que tout le monde faisait ses affaires de leur côté, <laughs> mais filmé, ouais. Si, si la partie est filmée, effectivement, euh, ça peut être facile de tricher pendant la partie, parce que personne, absolument personne, va regarder ce que tu fais. Mais si tu une reprise vidéo, ben, hein, hein, c'est tel que tel. Mais... <laughs> mais c'est très très drôle effectivement à voir les reprises vidéo euh, j'aurais trouvé ça drôle moi aussi fait que c'est ça c'est ce qui clôt pour projet Elite je vais vous faire une partie filmée on va essayer de pas tricher dans notre partie euh, puis c'est ça fait que les nouveautés avec îles, on va aller avec ça je vais retourner à ma petite écran principale. je vous fais ça les magies du direct et voilà fait que il n'y a pas grand-chose de nouveau, en fait, cette semaine avec Mixie. Euh, Il n'y a pas de grandes révélations. Donc, on a terminé la saison 1 de la podcast de Mixie. Je ne sais pas si vous avez vu ça ou pas encore. Mais c'est ça, j'ai fait 20 semaines sans arrêt avec des collaborateurs différents à chaque fois. 20 semaines de podcast où on parlait euh, de plein de sujets sur les jeux de société, plein de beaux échanges, autant avec des créateurs de jeux, avec d'autres créateurs de contenu aussi, avec des amis à moi, avec des passionnés du milieu. On a, on a fait tout, on a fait des tops, on a fait plein de choses. Et <laughs> puis, puis c'est ça, fait, fait, ça a été super le fun. Et là, ben, après 20 semaines à réaliser des podcasts, à toutes les semaines. Ben C'est ça, hein, je me suis dit que pour avoir du contenu de qualité puis que ça reste toujours pertinent, on va, on va prendre une pause puis on va revenir dans quelques semaines avec des nouveaux collaborateurs pour une saison 2 de Mixed Deal. Donc, prendre le temps de regarder tout ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et vous sortir un produit encore toujours de meilleure qualité. Donc bien meilleur, déjà plein plein d'idées de collaboration, tout ça je suis en train de vous travailler ça là, déjà, même si la dernière épisode de la saison est sorti vendredi, fait que, pour vrai, euh, puis je suis vraiment contente. Si vous avez manqué la dernière épisode de la saison de Mixed Deal de la podcast. Je m'entretenais avec David Couteau, de professeur Board Game. Donc, pour, vous savez déjà, je collabore avec lui maintenant de façon officielle. Donc, je fais des vidéos sur sa chaîne. Et lui, bien, il a participé. Il a été super gentil depuis le début de la podcast. Il a participé. C'était sa troisième participation à la podcast et on parlait en fait de la réalité des créateurs de contenu ludique. Donc c'est quoi la vie en fait de quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, des lives, des podcasts? Comment ça se passe? Est-ce qu'on vit de ça? ou pas, est-ce qu'on fait assez d'argent pour se payer des voitures neuves avec ça ou pas? Donc, on répond à toutes ces questions-là et on parle un peu de nos expériences. Comment le professeur Board game est né? C'est sûr que lui, a 4 ans et demi d'expérience et presque 5 ans maintenant. Moi, je suis du haut de mes 4 mois, c'est sûr que c'était un peu moins d'expérience, mais on partage, on partage nos trucs, on partage les apprentissages qu'on fait, les petites erreurs qu'on fait au début. Euh, puis c'est ça, fait que bref, je vous invite à aller regarder ça. Moi, ça a été une conversation que j'ai trouvée hyper intéressante et stimulante. Et j'étais vraiment fière de présenter ça comme dernière, euh, dernière de la saison. Et là, je vois dans les commentaires que le podcast est super intéressant. J'ai hâte à la saison 2. Merci beaucoup, Sébastien. C'est super gentil. Puis comme je l'ai dit dans la podcast et je le répète là, c'est vraiment grâce à vous. Pour vrai, euh, des fois, c'est pas facile à toutes les semaines. qu'on on a un travail à temps plein en plus de planifier tout ça les vidéos, les podcasts, les lives, tout faire ça. Mais grâce à vous qui êtes tout le temps là, qui participez, qui des fois m'écrivez des commentaires ou même qui m'envoie des messages pour dire que, que, que vous appréciez en fait ce que je fais, c'est vraiment motivant et c'est ça qui fait en sorte que ça donne toujours envie de faire plus de contenu. Donc euh, c'est très, très apprécié, merci beaucoup. Et je vois, j'en suis, si vous voulez, je suis de Longueuil et j'ai aussi ma chaîne du même nom. Ah ben parfait, à qui de jouer? Je vais aller voir ça tout de suite après euh, le live euh, avant de faire ma partie de projet élite que je vais probablement faire ce soir. Fait que c'est ça, côté nouveauté de m'exige je peux ça. Et une autre chose qui me permettait, en fait, là, en, en arrêtant la podcast pour quelques semaines, le temps de justement retrouver des collaborateurs, tout ça, permettait de me focaliser un peu plus sur les lives parce que j'en ai pas fait beaucoup dans les dernières semaines avec le travail, tout ça. C'est plus dur à planifier, c'est tu sais, des places horaires assez constantes, tout ça. Donc là, on va essayer d'en refaire. Je vais peut-être, je vais même ramener TTS Test probablement cette semaine. Je vais aller vous montrer ça tantôt, là, ce que j'ai planifié avec TTS Test, qui est mon émission que je faisais cet été où je testais avec des amis des jeux de société sur Tabletop Simulator. Pandémie oblige. Je fais pas encore des grosses soirées de jeux à la maison. Fait qu'on va les faire par Tabletop Simulator, en plus de faire des parties filmées live avec mon chum ou de faire des parties filmées tout simplement, continuer la campagne de Tainted Grill, euh, faire des essais de jeux vidéo euh, qui sont des jeux de société, en fait, ce genre de choses-là. Fait qu'on va faire plein de lives comme ça parce que c'est le fun, puis parce que vous êtes le fun. Fait que euh, tout ça... Si là, bien, on va aller dans les actualités des jeux de société. On est rendu là, dans l'émission, fait que ça passe vraiment vite euh, au premier regard. Là, une affaire d'à peu près, même pas une demi-heure, puis c'est fini. Fait que, fait que c'est ça, accrochez-vous, on y va. Donc, on transfère l'écran, on transfère ça. Et première grosse nouvelle aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à un jeu qui nous a formés. Je pense tout le monde à la maison qui écoutait en ce moment, là. hommage <laughs> à un jeu qui, je pense, qui a développé tout le monde, euh, dans, dans, dans sa passion du jeu de société, qui nous a fait découvrir que le jeu de société, c'était peut-être pas juste Monopoly, Destin, euh, Tabou, puis Scrabble, peut-être qu'il y avait d'autres choses en arrière de tout ça. Eh bien, euh, j'aimerais rendre hommage à ce jeu-là parce qu'il y a 25 ans, ce mois-ci, 25 ans qui nous fait découvrir que les jeux de société, ça peut être euh, quelque chose de tellement plus merveilleux. Puis même si rendu aujourd'hui, vous êtes rendu à jouer à des jeux comme Gloomhaven, comme Projet Elite, euh, comme plein d'autres gros jeux, mentez-moi pas, là. vous avez toutes déjà joué à ce jeu-là et vous l'avez toutes déjà aimé. Puis je suis pas mal sûr que ce jeu-là reste le plaisir coupable de pas mal de personnes à la maison et j'ai nommé euh, Les Colons de Catane. C'est ce super jeu-là. Euh, un des, des ambassadeurs des jeux euros. Je sais que c'est pas lui qui les a créés, mais quand même, c'est un des gros ambassadeurs parce que même encore aujourd'hui, les gens y jouent, les gens l'aiment, les gens découvrent les jeux de société grâce à lui. Eh bien, euh, c'est ça. Il y a 25 ans aujourd'hui. Pouvez-vous croire? Et là, on voit là dans l'image là. Peut-être que. Ah ouais, comme ça. Les, les fameuses maisons en bois, tu les villages, tu sais. Tu sais, quand c'était de la belle qualité, là, de... Hein? Faire un petit pincement au cœur, Maintenant, les catanes, c'est rendu, tu sais, des, des boards en, avec des, 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 des chemins en plastique, avec des, des villages en plastique. Oui, c'est joli aussi, là, mais c'est pas, le catane qu'on a connu quand on était petit. Bref, ce jeu-là, hein, échanger des ressources, s'achaler, là, pour avoir des moutons contre tes roches, contre ton foin. Euh, bref super bon jeu, encore, tu sais, moi, c'est un jeu qui me fait plaisir de ressortir avec mes amis qui jouent moins au jeux de société, ou même de ressortir entre amis, à un moment donné, ça fait du bien. On, on dirait qu'on rentre dans nos vieilles pantoufles, puis on est confortable, puis c'est le fun, puis on passe un beau moment, puis on se remémore comment est-ce qu'on a découvert le monde de, du jeu de société moderne. Bref, fait que c'est ça. Bonne fête, Katane, et merci. Euh, dans le fond d'avoir été là, puis d'avoir initié, je pense, pas mal plus de personnes que juste moi au jeu de société. Fait que je voulais y faire un petit clin d'œil, et c'est fait. Et voilà. Fait que, après ça, <laughs> une autre chose que je voulais vous mentionner, c'est Cote. Cote, Coato Je euh, sais pas comment le prononcer correctement. Fait que je m'excuse, je scrape peut-être le jeu Coato Je pense que c'est même que ça se dit. Bref, c'est c'est quoi ça? C'est un jeu québécois. Donc, qui a été créé par Étienne Dubois-Roy et Pascal Brassard. C'est un jeu québécois qui va sortir bientôt super beau, où on veut construire des serpents en plastique. Alors, gardez-moi ça, les pièces de jeu, comment c'est beau, là. Pour vrai, <laughs> le jeu, la production est incroyable. Euh, on n'en revient presque pas. Puis là, en regardant les images, on se laisse peut-être déconcentrer du fait que ce jeu-là, en fait... Si on regarde juste un peu à gauche de l'écran, juste ici, là, tu sais, là, c'est marqué ici, là, dit hotness, là. Fac, fac, dans le fond, c'est le sujet chaud du moment, le sujet que les gens parlent, euh, ce que les gens vont aller rechercher sur Board Game Geek le plus ces temps-ci. En numéro un, qu'est-ce qu'on a On a Quattro, un jeu québécois. Qui, qui, qui est qui numéro un dans les hotness du moment, c'est pas numéro un dans son rang, il est pas sorti encore, donnez une chance. Numéro un dans les hotness que les gens sont intéressés, il y a un hype déjà autour du jeu, les gens sont intéressés de savoir c'est quoi, c'est sûr qui a regardé les images, on n'a pas le choix de s'y intéresser parce que c'est tellement beau. Fait que bref, moi je voulais prendre un petit deux minutes, <laughs> comme plusieurs personnes. Pour dire un gros félicitations aux auteurs et merci en fait de faire briller le monde du jeu québécois de façon internationale euh, de faire découvrir ça à tout le monde et de créer des si beaux jeux. J'ai vraiment hâte d'y jouer à Quator et bref, fait que c'est ça un gros deux gros thumbs up bravo pour vrai. Et comme si c'était pas assez, tu as regardes sur YouTube et tu vas aller chercher Quator, tu il est pas encore sorti à part euh, certaines personnes chanceuses qui en ont reçu des copies et là tu vois que Professeur Board Game qui a sorti une vidéo règle et il l'a sorti quand Ah, il y a un mois C'est lui qui avait l'exclusivité du jeu. Mais non seulement ça, après ça, pour le jeu, t as, t as Dice Tower, de Z Garcia de Dice Tower qui a fait un review qui est très bon du jeu il y a une semaine. Fait que bref, allez voir ça si vous connaissez pas Quattro, ça vaut la peine. Mais deux thumbs up pour vrai aux créateurs parce que se retrouver dans les hotness de board game geek c'est vraiment vraiment pas rien fait que je tenais à le souligner et dernière petite nouvelle ouais cette semaine c'est une semaine où j'ai moins de nouvelles mais dernière petite nouvelle que les gens pourraient trouver intéressant autre que de trouver un imaginaire projet élite il euh, y a d'autres choses que j'ai trouvé en fin de semaine en allant chercher euh, ma copie de jeu j'ai vu que too many bones était en vente fait qu'il est en distribution à quelques boutiques canadiennes dont là donc, euh, puis c'est pas très très cher comparément à, euh, à, à dans le fond ce qu'on peut, euh, qu qu peut payer pour commander le jeu directement du site de Chip Theory Games avec le shipping, tout ça. Ça vaut vraiment la peine. Je sais pas combien il y a de copies. On peut-tu voir ça sur le site On peut voir ça. Il y en a beaucoup de copies le 10 et plus à Saint-Bruno, 10 et plus à, à Laurier. Il y en a beaucoup. Fait que c'est vraiment cool parce que c'est un jeu qui est tellement rare à trouver. Fait que, fait que c'est ça. Est-ce que j'ai eu la chance d'y jouer au bénévoles ludique l'an passé, post-COVID? Euh, c'est Sébastien qui me demande ça, à jouer à tout Bonds ou du jouer à quatre. Parce que si c'est quatre, j'ai vraiment pas eu la chance, j'ai passé à côté du bateau. Euh... Mais à Too Many Bones aussi, s'il y en avait qui jouaient au bénévole que je l'ai pas vu non plus. Mais, mais par exemple, j'ai joué à Too Many Bones, là, puis j'ai eu une super belle expérience. C'est mon ami Sébastien qui a participé à la podcast, d'ailleurs, qu'on salue, euh, qui avait qui m'a fait essayer ce jeu-là. Donc, euh, et en plus, en fait, pour Too Many Bones... Si jamais vous vous dites ouais, 230$ pour un jeu que je ne sais pas si je vais aimer, les chansons que oui, c'est un jeu très très beau. Et le prix équivaut en fait à la qualité du jeu. Donc, on m'en mentionne quoi on? non j'ai Non, c'est ça, je suis vraiment passée à côté du, du bateau, malheureusement, j'aurais bien aimé ça. Je vais peut-être essayer de... de voir si je pourrais pas demander subtilement à David d'essayer le jeu. On verra. <laughs> Mais j'ai bien meilleur ben, de l'essayer. Fait que c'est ça pour tout Banimonde. Si jamais vous n'avez pas envie là, de dépenser cet argent-là sans l'avoir testé, même si c'est un super jeu. Pourquoi il est cher demain Parce que le jeu <laughs> est d'une qualité qui est quasiment ridicule. Là. Mais, mais pas ridicule dans un sens péjoratif. C'est juste que voir que des gens ont pensé à faire un jeu de si haute qualité que ce jeu-là, le jeu, dans le fond, il est. Tu pourrais, tu pourrais le mouiller en entièreté, les cartes, tout ça. Il est, tel, il est tellement fait dans le matériel de qualité que tu briserais absolument rien. Les, euh, les tapis de joueurs, les plateaux joueurs, <laughs> c'est des tapis de souris, là, ou des playmates vraiment, vraiment épais. Là. Mais c'est ce matériel-là. Tout le jeu fait juste un wow quand tu ouvres la boîte. C'est pour ça qu'il coûte cher. Euh, Chip Theory Games, ils sont intéressés en fait à faire des produits justement qui coûtaient peut-être plus cher que les produits normaux mais qui apportait une certaine qualité euh, top-notch. Et ben c'est la même chose pour Too Many Bones. Puis, c'est ça. Fait que, j'en reviens à mon point. Si jamais vous ne l'aviez pas essayé, mais que vous avez envie de l'essayer, il est disponible en location au Café Dragon à Belleuil, ce qui est vraiment cool. Euh, pour vrai, pour un gros jeu de même, ça vaut la peine peut-être de l'essayer avant. C'est peut-être pas pour tout le monde, Too Many Bones, même si c'est un excellent jeu de construction de personnages, de dés, euh, d'exploration de donjons un peu. Fait que si vous voulez l'essayer, c'est ça, vous allez pouvoir aller l'emprunter directement au Café Dragon de Bel'Oeil. Et c'est ce qui met fin à mes nouvelles de, de, de cette semaine. Fait que le jeu que j'ai vouloir essayer sur TTTS Test, donc sur Tabletop Simulator, probablement soit euh, ce jeudi ou encore en fin de semaine, ça va être The Great Wall de Awakened Realms parce que le mod est disponible sur Tabletop Simulator. Vous le savez, je suis une grosse fan de Awaken Realms. J'aime tout ce qu'ils font, mais absolument tout. Et le jeu, ben il est encore en production. Il est encore, en fait, en train d'être modifié. Fait que la version qui est disponible, c'est une version pour essayer, pour playtester par les joueurs, pour leur donner un peu leur opinion, de, pour les aider à développer le jeu, on est rendu là. Fait que, que c'est ça. Moi aussi, je vais aller playtester ce jeu-là, étant donné que je l'ai commandé et que je l'attends impatiemment. Je, je veux voir si ça a l'air de quoi. Je vais le faire avec un de mes amis et on va filmer ça. Puis vous êtes les bienvenus à venir assister à ça. Et bien, c'est ça. Fait que je reviens à mon écran principal et voilà, magie du direct. Fait que, que c'est ça. Euh, Puis oui, on me dit que c'est des tapis en néoprène pour Too Many Bonds et, et que les coussins de Too Many Bones sont disponibles pour Locas. Ah, et que Too Many Bonds est aussi disponible au Joker de Pub ludique de Longueuil. Fait que, fait que c'est cool pour vrai que ça soit disponible comme ça. Je trouve ça vraiment le fun parce que c'est tellement dispendieux tu sais des fois t'as le goût de jouer au jeu t'as pas le goût nécessairement de dépenser ce montant là fait que qu'il y a des entreprises qui l'aient rendu disponible comme ça je trouve ça vraiment le fun ça se peut que moi-même j'aille l'emprunter pour aller jouer qui sait fait que c'est ce qui met fin à mon euh, au premier regard de cette semaine fait que sur ce je m'en vais voir ta chaîne à qui de jouer je sais pas c'est quoi ton nom mais je vais aller voir ta chaîne et euh, ben euh, c'est ça puis après ça ben je vais aller faire une petite partie de ou deux, ou trois, ou quatre, il est quelle heure, <laughs> de euh, Projet Élite. Et je vais filmer ça, vous montrer ça cette semaine. Fait que beaucoup de projets pour mes deals, beaucoup de live, je trouve ça le fun. C'est le fun d'interagir avec vous. Puis merci de participer dans les commentaires, pour vrai. C'est toujours hyper apprécié. Euh, puis c'est ça. Fait que je vous souhaite une super belle soirée. Puis ben à la prochaine! Au revoir!